Bonjour, mesdames, messieurs, votre hebdomadaire du 22 au 26 avril 2024. Dans le cadre des préparatifs de la célébration de la fête du travail, le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Billy Biéman Dieudonné, en lieu et place du ministre, a tenu une réunion le mercredi 23 avril 2024. Les responsables des syndicats, les commerçants et les opérateurs économiques. Retenons que pour cette édition 2024, les opérateurs économiques suscités prendront une part active dans l'organisation de cette journée. En santé, Lucienne Ogualonga Auray, déléguée spéciale agent 3 de la commune de Libreville, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, remis un important lot d'équipements et du matériel au personnel du centre de santé de Mindoubé. Pour ce fait, elle était accompagnée de Pierre-Célestin Angoué, directeur général de la santé, et du conseiller du délégué spécial en charge de la santé, Dr Ngobé Jean-Marc. Une note de culture pour la clôture de cet hebdomadaire. Les populations du 2e arrondissement étaient nombreuses le vendredi 26 avril 2024 au rond-point de Cambo pour la projection du nouveau film des studios Montparnasse « Le mal ne vient pas de loin » initié par la mairie de Libreville. Le délégué spécial adjoint 4, Brice Obam, représentant de Jude Ibrahim Rapo-Tchombo, délégué spécial adjoint de la commune de Libreville, le délégué spécial du 2e arrondissement était accompagné pour la circonstance des autorités chinoises. Une projection retraçant le cinquantenaire de la coopération chino-gabonaise a également eu lieu. Voilà qui met un terme à votre hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis.